Alors, donc un exemple de stérilisation de chatte par la ligne blanche. Donc, on fait une ouverture sur la peau, une ouverture cutanée, le plus petit possible. Ensuite, on va aller chercher la paroi abdominale musculaire. Et on va faire une petite incision sur la ligne blanche, qui est ici. On ponctionne. On introduit la sonde cannelée. On ouvre sur la sonde pour agrandir l'ouverture. Hop. Ensuite, on va chercher le premier ovaire au crochet en passant le long de la paroi abdominale. Le crochet tourné vers l'arrière. On glisse le long de la paroi jusqu'au fond. On tourne et on sent la petite traction qui montre qu'on a bien attrapé la corne utérine. Que voilà. On repousse le gras. Le remettre. On y va mieux. On tire la corne utérine, on va trouver l'ovaire au bout. On le prend dans la pince en cœur. Voilà. Ensuite, on va poser les ligatures en passant la sonde cannelée sous l'ovaire. À côté des vaisseaux. On fait une ligature vitrine de chaque côté. Faites attention de ne pas passer le fil sous la sonde. C'est le piège. On serre et quand on enlève la sonde, la ligature est desserrée et on se retrouve avec une hémorragie. Donc on serre. Avec la sonde en cœur, ça permet de ne pas utiliser 4 clamps, la pince en cœur. Ensuite, on va couper donc entre notre pince et la ligature. Côté corne, ici. Et on va aller chercher le deuxième ovaire en face. Toujours pareil, le crochet vers l'arrière, on descend le long de la paroi, on fait attention à la rate du côlon qui est par là. Il y a du gras, c'est normal, on le dégage. On a notre corne qui est ici. Et l'ovaire qui est derrière. Moi, je mets l'ovaire sur mon doigt. On le met dans le pince en cœur. Et on recommence la même chose. De ce côté, on enlève le gras. On essaie de prendre le moins de gras possible sur une chatte. On passe la sonde sous la pince en cœur, en ligature. Donc, 3 nœuds simples. Hein. Pareil, côté pédicule. On ne passe pas sous la sonde.
et on coupe entre la pince en cœur et la ligature de chaque côté. On vérifie qu'on a bien l'intégralité de l'ovaire, un bec. Donc maintenant, on referme la ligne blanche avec deux points simples. Et la peau avec un filet tylon. Un point en U, ce qui permet de ne pas mettre de pansement. En général, avec les anses cachées, l'animal ne se touche pas à son point. Donc, pas de pansement, pas de collerette, pas de gêne particulière. On pose le point, on ne le serre pas trop. Et voilà, c'est fini.